Tomorrow evening, Jewish communities across Canada and around the world will celebrate the start of Passover. This is a time for families and friends to gather around the Seder table, to share foods like matzah and maror, drink wine and read from the Haggadah, and reflect on the story of the Exodus. La COVID-19 est probablement venue modifier certaines de ces traditions. Certains d'entre vous célèbrent peut-être seuls, et d'autres célèbrent peut-être avec des membres de leur famille sur Zoom. Presque chacun d'entre nous accueillera moins d'invités que d'habitude. Mais ce que cette pandémie ne changera pas, c'est l'espoir que la Pâque représente. Passover is about the triumph of the Israelites over slavery and affliction. It's a story of strength and resilience in the face of hardship. Lessons that we can all draw upon as we continue to deal with the global COVID-19 pandemic. Pour chacun de nous, la Pâque est également une occasion de prendre conscience des importantes contributions que les Canadiens juifs apportent à notre pays et à nos communautés. C'est aussi une opportunité de réaffirmer notre engagement à bâtir un pays et un monde exempt d'antisémitisme, de haine et de discrimination. We will take action against antisemitism and other forms of hatred wherever it happens. Jewish Canadians will never stand alone. Your government will continue to stand with you and take action against one of the world's oldest and most pervasive forms of hate. On behalf of our family, Sophie and I wish everyone celebrating a joyful and happy Passover. Stay safe and healthy, everyone, and next year we will celebrate together. Chag Pesach Sameach.